tu es en direct. Allô? Bon matin, mes fans. Mince, on vient de me dire que Ngoya a fait le direct. Elle dit que je n'ai pas internet. Il faut dire que quand j'arrive au pays, j'ai la box. Dites à Ngoya Satan. Quand j'arrive au pays, dès que je décolle, même au Canada, je vais vous montrer ma box quand je vais arriver à Montréal. Ma box marche avec moi. Je la charge quand je veux. Et j'ai le forfait au-dessus des forfaits. Il faut lui dire, c'est quand je suis quelque part, les gens se connectent sur ma box. C'est une box, c'est-à-dire que. C'est-à-dire que hein, c'est une box mobile. Je la promène partout dans mon sac. Regardez. Elle n'a pas l'internet. Pendant envoyer 10 000, elle paye internet. Mais non, mais. Kinkam. Allô? M'a envoyé ta vidéo quand on me dit que je n'ai pas internet. Non, il me fait. C'était. M'a envoyé la vidéo. Ok. Donc, excusez-moi, je gérais quelque chose avec mon fils ici, là. Elle dit que je n'ai pas la connexion. Qu'il faut qu'on m'envoie la connexion. Imagine à Kinkam. Il faut lui dire, quand j'atterris au Cameroun, ma box est avec moi. Vous-même qui voulez venir au pays, là, prenez votre box. Quand vous atterrissez, vous êtes à... Ici, je suis en Kouaba. Je t'ai dit. Vous dormez, vous êtes où? Je suis Angola. Mon Angola. N'Angola. Je sors de Nkwaba. Je passe la route qui va aller vers Biten. La route qui va vers Biten. C'est Angola ici. Mais Angola. Ouais, non. Je suis à la route qui va vers Biten. Je sors de Nkwaba. Non, moi j'ai garé. Ne pas l'oublier, on a garé. On dit Tangoï, je ne souffre pas de connexion. Tu vas envoyer la connexion pour qu'elle passe. Je n'ai pas le temps de me connecter. C'est ça le problème. J'avais beaucoup de choses importantes à régler ici, au pays. Je n'avais pas le temps d'aller toujours faire le direct. Parce que même le direct, c'est le temps. Et vous pensez que c'est facile. Elle va atterrir à moi. Elle m'assoit sur elle.
Elle va me dépasser, il faut lui dire ça. Elle va me dépasser. Il lang, magie là, il lang. Regardez-moi ça. Oh, c'est ci, oh, c'est là. Il lang. Il fait qu'il me fait pécher comme ça là. Elle me fait pécher. Chaque fois, je pêche. Chaque temps, je pêche. T'as dit des mots, un genre. Ça, c'est la route de Bitten. C'est ça, non, mon fils. Aka. Aka. Sur l'itinéraire le plus rapide. Aka. Bonjour ma chérie Floriane, comment tu vas? Ça va bien? Manangola. Ça roule un peu. Ici, là. La pénurie de carburant. Maman, c'était chaud, hein. La magie. Quand je montais à Douala, là, j'ai vu des trucs dans les stations. Là, maintenant, là, c'est rétabli. Non, c'est rétabli. Celui qui parle va aller créer l'embouteillage devant. Et vraiment. Voilà. Voilà maintenant. Regarde là où il part. Il a doublé comme ça, le policier va le prendre là-bas devant. Bon, je vais vous laisser. Vous laissez seulement dire à quelqu'un que quand je me lève, j'ai ça dans la voiture, dans mon sac. La box, je marche avec. Voilà. Donc, on n'a pas les mêmes points, les mêmes vues. Je suis connecté en tout temps. Et ceux qui sont proches de moi peuvent capter la connexion ici, là. D'accord? Voilà. Je suis une boue. Quoique j'ai la vie comme elle, quand elle vient au pays, elle cherche à rafistoler. Quoi, elle prend les maisons des gens, elle dit que c'est pour elle qu'elle a construit, là. Les vidéos devant les maisons des gens, c'est mon chantier. C'est chez moi ici. C'est mon chantier. Comme si tu es en chantier, ça nous regarde. Tu construis la maison pour toi, ta famille, tes enfants. Nous, on a quoi avoir dedans. On s'en fout. Que tu aies la maison, que tu n'aies pas. Quoi nous faire? Nous, on s'en fout. Quoi nous faire, nous, là? Tu aies la maison, que tu n'aies pas. Donc, si tu fermes sans fermer, ça reste allumé. Oh, Palilo, vas-tu sophistiquer? Oui, c'est ça. Insta Bracata. Hein? Insta Bracata. Elle a dit qu'on va manger le. Comment on appelle? Le ndomba de poisson d'eau douce, là. À 17h. Avec du bon moelleux. Ah, c'est une soirée assurée. Ouais. Alors mes fans, vous me dites quoi ce matin? Ensoleillé de Yaoundé. Je te dis Floriane. Oh. On m'a dit qu'on m'avait une petite vidéo de Ngoyo. Elle dit que j'ai pas la connexion chez nous là.
au pays, j'avais trop de choses à faire. Peut-être mon séjour, si je sais pas, j'ai jamais eu un séjour comme ça, où je suis busy tout le temps avec des choses assez costaudes à faire. Là. C'est pour ça que je n'étais pas en train de me connecter pour faire le direct. Sinon, j'allais faire. Et que si au pays, je fais le direct, prêt. Hein? Il ne sait pas c'est quelle. La Prado noire, mon ami. Il ne sait pas c'est quel boss qui a été passé là. La paix. Dernier 2023. Oui, dernier 2023. Tout inclus. Full option. Et le frigo. Avec la plaque diplomatique. La plaque diplomatique, le frigo. Tu as glacé quoi dedans? La noix de coco. Ah, la noix de coco, c'est bien glacé. Hein? Oui, avec encore le. Oui. Déjà épluché. Oui. Je dis que l'eau est glacée. Ouais. Mais le frigo dans la voiture, c'est la blague. C'est même la blague. Vous blaguez. Je voulais seulement dire à Mkinkam que n'est pas les patates du même sillon. C'est-à-dire que, voilà, il y a les uns et les autres et les échecteras. Moi, je ne suis pas une échectera. Mais rouler, non, c'est surtout les taximans hein, qui dérangent comme ça. Parce que moi, je pense qu'il doit y avoir un endroit où les taxis ramassent les gens. Oui. Tu vois, non, on fait un endroit de la route, après on fait un espace taxi. Si tu es pas plein, tu vis là-bas. Si tu es plein, tu continues. Je sais pas si ça peut se faire. Hein. Saurait téléphone. C'est-à-dire que les gens qui veulent aller quelque part sont comme on retire la ville, on retire la rue comme ça. Ils entrent dans un truc avant d'aller ramasser. Là-bas, ils font leur embouteillage là-bas. Ceux qui vont tout droit, pas forcément tout droit. Ça aurait été vraiment le fun. Mais c'est ce qu'il nous faut. Mine de rien. Mais moi, avec le frigo, quelqu'un dit que toi encore avec le frigo, parce que j'ai le frigo de la Gloire Glorieuse au Canada, que les filles là sont dépassées. Elles n'avaient jamais vu que dans la cuisine, il y a le frigo avec la télé. Maintenant, je suis dans la voiture avec le frigo. C'est pas le Congo ça. Hein? Tu veux qu'elle montre le frigo est là. Et je vois qu'elle parle, vous pensez que je blague. Oh. Ouais, Seigneur. Elles sont les mêmes choses, même. C'est pas possible. Faut pas... Et, oh, vraiment de Dieu. Il y a les uns, les autres et les échecteurs là. Ouais. Un moment, ils ont dit que j'avais plus le frigo. Comme si je suis parti peut-être payer au magasin. On est venu arrêter et puis on a repris le frigo. Oui, je t'ai dit, mon fils. J'ai dit que moi, mon frigo ne souffre de rien. Le frigo de la Gloire Glorieuse. Hein? Le frigo de la Gloire Glorieuse, ça ne souffre de rien, c'est là. Ils ont dit que oh, tu n'as plus le frigo. Ou on a appris ton frigo. Oh, c'est sûr, c'est là. Je dis que vous êtes sérieux. Vous fumez quoi? Prado noir, mon frère. Mais c'est des imposantes. C'est une voiture que je te dis que on ne t'arrête nulle part, mon frère. Ah. Tu n'es pas que. Rien. Tu pars seulement. Pars seulement, tu pars. Depuis 2023. La paix. Habitacle de ça. Habitacle de ça. Je vous aime, oh. C'est la maman. La maman. À part s'il y a quel Congo ça, tu vas encore traumatiser les vieilles frustrées. Maman, je vais faire comment? Et c'est ça alors de ma faute. Aux Zambiens nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est ma faute. C'est Dieu qui a fait que c'est comme ça. J'aime un truc comme ça, le bois avec les arbres comme ça. Yish, c'est beau. Hein? En plein Yaoundé. Sans que là-bas, c'est frais. J'aime. Oui. Tu sais, quand tu vois comme ça, non. C'est... Mais si tu vas habiter là-bas, on va t'agresser même. J'achète un bon terrain, on va être agressif même là-bas. J'aime, tu vois, quand tu vois la verdure comme ça, c'est tellement beau, en plein Ngola. Ngola fan sauté. Il y a les mangues, oh. Ça c'est un mangue. Les arbres fruitiers, oh. Tout ça. Et... Pays indolent. Un embouteillage jusqu'à 10h, maman.
Que ce soir, c'est 6h, 7h, non. Pour sortir de quoi, ben, c'est la magie. La magie, c'est moi. Mais devant, ça roule. Mais que devant, là. Je sais pas ce qui se passe ici. Devant là-bas, si on va aller tout droit, ça roule vraiment. Je vois la montagne là-bas, ça roule. Tu vois là-bas, ça roule, non. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi ici. On dirait pas un droit où c'est que quoi, oh, je ne sais même pas. Après là, ça roule. Ou la route devient étroite, je sais pas. Je crois que c'est ça. Et puis les taxis, mais. En fait, c'est sur ça que chaque axe, on se fait une sortie comme ça. Et puis, les gens, ça dit, si mettons, tu veux, si tu as un taxi qui est vide, tu vas là-bas. Si tu ne l'as pas vide, on continue. Mais ça fait que ça va désengorger beaucoup. Station taxi, en fait. Là, le taxi va là-bas, on dit les noms, on dit les noms. Il prend ce qu'il prend, pap, il sort. C'est comme ça. Et ils se battent là-bas avec leur embouteillage là-bas. C'est fou. S'ils font ça, ça m'a beaucoup aidé. Ah, la France a envie de verser la terre. Ah, d'accord. Ah, c'est ça qui fait l'embouteillage, en fait. Puisque en passant, ben, vous devez les dépanner. C'est ça, non. Moi, je n'ai pas les pièces. Pas de monnaie. Il n'y a que les 10 000 ici. Ouais, Seigneur. Oui. Tiens, papa. Merci, merci. Merci, merci, merci. Oui, oui. Au lieu d'aller voler, ils sont en train de remplir les trous. Ils bouchent les trous, c'est bon. À paix. Même s'ils bouchent seulement deux trous, ils ramassent les pièces. C'est bon. Eux d'aller voler. C'est parfait la jeunesse. La photo. Nous aussi c'est mon mieux d'avoir. Il peut aller de côté. Mets-toi à côté, dis-donc. Il y a un motoman. À Boya, il n'y a pas de moto à Boya. Boya Ntolé. Eh hey, non, si je veux même m'installer, je vais aller manquer dans l'endroit là. Hein. Il n'y a pas de moto. T'es free. Et puis tu as une attitude, t'es frais. C'est, oh, j'ai aimé. Oui, propre. Ah, j'ai mangé un euro là-bas. Hein. Ah, j'ai déjà. T'es tout dans les charmants, hein, mon fils. Ouais, en face. J'ai fait comment et toi? En face, on va faire comment et toi? Non, Boya est propre. J'ai adoré Boya, je te jure. C'est paisible. Boya est trop propre. Voilà les choses comme ça. Regarde le grumier là. C'est sur la route qu'il passe. Avec les billes en haut comme ça. Yay! Dangereux un genre. Mais c'est ça que tu dis petit comme ça. Il veut m'arrêter. Tu as vu ça? Ah! Pêche! Tu as vu les bois là, maman? Les bois enceintes. Elle esquivait le trou en fait. Bon, vous me dites quoi? Je vais vous laisser, non? Je suis en train d'aller à un rendez-vous important là. D'accord? Je peux vous laisser? Je vous reviens tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai vu la responsable du restaurant Le Monaco hier. J'étais avec mon beau d'amour. Voilà, il s'appelle Christian comme mon mari. Voilà, le frère à mon mari, il s'appelle Christian. Son cousin, voilà, c'est ça. On était ensemble hier dans un endroit très très privé, select. J'ai vu Madame Le Monaco, voilà. On a eu du bon temps. Et celle qui a le restaurant Le Monaco à Yaoundé. En tout cas, c'est où ça, Mimbo Manou, c'est où, je ne sais pas. Whatever. On était ensemble hier, maman. Je dis que l'ambiance de ça, c'est trop cool. C'était trop cool hier. Mm-hmm.
T'es trop cool. Comme si ici c'est Biten. Vous savez que je connais ici. On dirait que c'est Biten ici. Si là, il roule comme s'il était dans sa chambre. C'est comment même? Angola. Dans 300 mètres, tournez à droite. 300 mètres, on tourne à droite. Dans 200 mètres, tournez à droite. Béa. Béa, oui, maman. Ah oui, Béa. Je vais même pas rappeler ma Béa. Tournez à droite. En tout cas. Je vais vous laisser, non. Je vais à mon rencard. Rendez-vous. Je vous laisse. Tandis Tangoï qu'elle m'attaque sur d'autres points, mais pour Internet, je suis crédivore. Je mange le crédit avec les dents. Même le téléphone, Internet téléphone. J'ai le téléphone du Cameroun. C'est chargé, Bomaï. Tournez à gauche. Je ne peux pas souffler du téléphone ni d'Internet. Il faut dire Tangoï. De connexion. Faut lui dire, même lui, téléphone du Cameroun. Deux puces dedans, bien chargées. Les collines de Yaoundé, c'est facile, quoi, je te jure. Ça, c'est quelle colline? Ça me fascine, je te promets. La ville aux sept collines, mais il n'y a pas que sept. Il y a même 50. Puis il y a descendu les collines, montées, descendu, montées, maman. Les collines de Yaoundé me fascine. En convoi, je pense. Dans 300 mètres, tournez à droite. Hey, ma personne, Jacques, comment tu vas? Jacques, comment tu vas? Sur pays. Personne personnelle. Tournez à droite. Je vais baisser la clim. La poussière, maman, j'ai bu la poussière en Gaoundéré. Amof Minaoui. C'est le moment de la mousson, la matante, c'est le vent sec là. Le vent sec qui fait que ton corps est blanc, 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 même si tu as mis la crème. Oh, la poussière. Ouh, tu t'assois sur une chaise, tu te lèves, la poussière. Tournez à droite, puis tournez à droite. On a tourné, non. Oui, veut dire encore, pourquoi on a tourné à droite? Comment être? Tournez à gauche, puis tournez à gauche. À droite. Tournez à droite. Tournez à droite. Ah bon. Parce que Waze veut te donner les cours, les courtes routes pour que tu fuis l'embouteillage. Donc il y a un embouteillage devant qui ne veut pas qu'on arrive dessus en fait. C'est pour ça qu'il nous donne les routes. Dans 500 mètres, tournez légèrement à gauche. Mais ça. Waze va te donner une autre route parce que devant, c'est là, tu vois qu'il y a l'embouteillage.
Donc lui, ouais, veut que tu évites les embouteillages. Donc il te fait entrer dans mon quartier. C'est comme ça qu'il fait, ouais. Tu vois, avec lui, tu auras peut-être 10 minutes de plus, arrivé plus tôt que Google Maps. Donc même s'il te dit de tourner et que tu tournes, il y aura une route, quoi, qui va sortir quelque part. Mais c'est les gens du quartier. En Gaoundé, il te disait ça. Oui. Oui. Ok. Ah, oui, peut-être que normalement, il doit avoir la route. Tiens, écoutez, comme la dernière fois, le pont était cassé. Il fallait que. Oui, il s'est fait le demi-tour, ouais, c'est ça. Attends, normalement, il doit avoir la route. C'est ça. Oui, oui, il va encadrer cette route-là. Oui, oui, tout à fait. Quand il te dit de tourner, c'est parce qu'ici, dans le quartier, tu allais éviter ce petit bouchon aussi. Et ce petit bouchon aussi va te prendre encore 5 minutes. Non, oui, oui, chez nous, c'est comme ça. Quand tu prends Wave, tu as toujours les raccourcis, quoi. Il sait que tout droit, c'est sur l'autoroute, mais il sait que demain, il y a un boucher, il te fait sortir de l'autoroute avant. Tu dis, mais pourquoi il me fait sortir? C'est parce qu'il a une route au quartier qui va te donner et que tu vas aller dépasser le truc de bouchon. Et quand tu refuses de sortir, il recalcule et il te donne maintenant les minutes que tu devais esquiver, quoi. C'est ça. Déjà, ici, la route n'est pas bonne, donc tu vois que on est dans les cassiers, on ne peut pas filer, hein. Oui, vraiment. Et il te dit aussi s'il y a la police, surtout. Une voiture aussi stationnée. Il te dit, il y a une voiture stationnée devant vous. Il y a la police sur votre trajet. Il y a ceci, ce... Oui, oui, oui. Il te dit. Donc, du coup, toi, et parfois, quand tu arrives à la hauteur de la police, il te dit maintenant encore, est-ce que la police est encore là? Pour que tu dis oui, pour que les autres... Parfois, il dit, est-ce que c'est encore là? Si tu touches oui, les autres aussi, derrière, vont avoir la notification. Si tu dis non, on sait que la police qui était là, il a quitté. Bye.